Bonjour et bienvenue dans le vlog le plus cool de cette semaine, c'est-à-dire moi qui joue aux jeux vidéo, moi qui suis extrêmement nulle aux jeux vidéo. Et là, c'est un jeu vidéo conçu pour les non-voyants, donc je vais devoir me cacher les yeux. Je ne garantis pas la survie du personnage, je garantis même sa mort, il va se prendre quelques murs à mon avis. Le jeu s'appelle Lost in Blindness et vous pouvez entendre ma voix dedans, donc ça va pas être bizarre du tout. Ok, c'est parti. Lost in Blindness est un jeu adapté à un public non-voyant. Pour une expérience optimale, un casque audio est nécessaire afin d'entendre des sons venant de la gauche, la droite et c'est tout autour de vous. Nouvelle partie. Utilisez les touches Z et S pour naviguer dans les menus. Mais alors comment je trouve les touches Z et S sans utiliser les touches Z et S pour naviguer dans les menus. Quittez le jeu. Ah, crédit. Ça y est, j'ai trouvé une touche. Chapitre, mode streamer, options et accessibilité. On va faire ça. Et je fais comment entrer? Activez le mode streamer. Voulez-vous activer le mode streamer? Oui, je veux. Permettons aux spectateurs de voir vos actions en direct sur votre écran pendant que vous mettez un bandeau sur vos yeux. Oui, tout à fait. Appuyez sur entrée, mode streamer activé. Bon, je triche parce que je comprends rien. Mode stream chapitre. Activez l'écho long. Je comprends rien. Bon, j'ai fait une nouvelle partie. En jeu. Après avoir appuyé sur. Et j'ai quand même vachement peur du noir. Je me rends compte que je suis même pas capable de rester dans le noir dans mon appart en pleine journée. Donc là, je suis obligée d'aller vérifier qu'il n'y a personne chez moi. Ok, il n'y avait personne chez moi. Étonnant. Pour vous déplacer, appuyez sur les flèches directionnelles pour orienter la caméra. Mince. C'est quoi ça? Je me rapproche ou je m'éloigne? Je sais pas. Ouais, bon bah il laisse un message. Hein. Non, j'ai pas réussi à décrocher. Première action, j'y arrive pas quoi. Ah non, bon ça rappelle. Ça vient d'où? Ah ça y est! Ça y est! Allô? Oui, c'est Laura. J'ai décroché! Excuse-moi de te déranger. Mais ça fait des années? Mais y'a pas de soucis. Ouais, comment tu vas? Ah, appuyez sur entrée pour répondre positivement oui, entrée, et retour c'est... arrière pour répondre négativement à la question qui vous est posée. C'est où entrée? Moi j'appuie partout. Hein. Je sais pas. Ça va? Ça va. Désolé, je suis un peu surpris de t'avoir au téléphone, je pensais pas avoir de tes nouvelles. Je sais, excuse-moi. C'est passé tellement vite depuis le Panama. Tu m'appelles pas au bout de 6 ans pour me rappeler ça quand même? Non, pardon. Je voulais pas t'embêter avec ça. Je t'appelais pour prendre de tes nouvelles. Parce que j'ai découvert un truc étonnant sur les Mayas, et je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. J'aurais bien vérifié ça. Il faudrait que tu viennes me rejoindre. Ça va aller? Oui, t'inquiète, je vais me débrouiller. Je suis super contente que tu me rejoignes. Attends, ça frappe à la porte. J'ai tellement peur. J'arrive! Ah, ça doit être ton chauffeur. Sûrement. Ça tape. Je te laisse. Contre le mur. Du coup, on se voit à mon arrivée? On fait comme ça. Bisous. Bisous. Mais comment ils ont fait ça? J'arrive dans 2 secondes! Voilà. Est-ce que les flèches marchent? Je vais tricher. Ah, mais d'accord, mais j'avance pas en fait, c'est pour ça. J'appuyais pas sur les bonnes touches. Ok, d'accord. Voilà! Bonjour, bon, monsieur Riley. Oui. On m'a chargé de vous accompagner à l'aéroport et de vous remettre un colis de la part de mademoiselle Miller. Oui, vous pouvez le mettre sur le bureau, à côté de la cage du hamster. Donnez-le-moi tout de suite, je vais pas le trouver. Voilà. On doit y être pour 18h et on en a pour environ 1h. Je passe vous récupérer vers 17h? Oui. Bon, j'arrive, Gypsy. Ok, t'es où, Gypsy? Ah. Là? Est-ce que je me prends un mur depuis tout à l'heure? Bon, Gypsy, t'es où? Alors, j'ai ce cadeau, c'est quoi? De la paille pour toi? Oh, mais attends, mais c'est une balise, ça! Oh, trop cool! Trop cool. Bon, Gypsy, je vais aller prévenir la voisine pour toi, je fais ma valise, et direction Brésil! Eh ouais! Moi aussi, je vais aller au Brésil! Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord du vol LA9375. Nous nous assurerons de votre sécurité et de votre confort durant ce vol à destination de Boa Vista. Vous souhaitons un très bon voyage. Hé, coronavirus. Des démonstrations de sécurité vont vous être présentées. J'espère accordez-nous quelques instants d'attention.
Bon, maintenant c'est l'heure de jouer. Oh oh, faut faire un jeu. Il y a un jeu. Nouvelle partie. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? Lors des phases d'action, déplacez-vous vers la gauche ou la droite en appuyant sur les touches Q et D. Ah mais attends, Q et D c'est où? Je sais pas. Ça doit être au même endroit. Ah, où est-ce que je suis? Game over. Game over, bah oui, je comprends rien. Est-ce que le but c'est de pas se faire écraser par un train? Game over. Comment ça, game over, je me fais écraser à chaque fois? Game over. Ah non, il faut pas aller vers le son. Réapparition dans 3, 2, 1. Partez. Victoire! Bravo, Clotilde! Ah, c'était trop cool! C'était facile, hein! Vivement qu'ils fassent des jeux jouables au son! Madame, monsieur, bonjour. Nous amorçons notre descente pour atterrir à Boa Vista d'ici quelques instants. L'ensemble des membres de l'équipage espère que vous avez passé un agréable vol et vous remercie de votre confiance. Bon, heureusement que ce jeu, c'était pas la vraie vie, parce que je me serais fait écrabouiller 30 minutes. Eh, signor! Hein? Taxi? Si! Allez, monte! Merci! Je dépose où le touriste? Tenez, l'adresse devrait être marquée là-dessus. Vous pouvez pas me lire? Ça risque d'être un peu compliqué. Ah, il n'y avait pas vu que... Ouais. Et vous faites quoi? Pour faire simple, je suis archéologue. Et vous venez pour déterrer quoi? Des racines? Eh, je suis juste un taxi. Tu risques rien en disant ce que tu sais. C'est quoi ton nom? Pourquoi vous voulez mon nom? Laisse-moi sortir! Tout te casse! Ok. Dépêche-toi avant que je referme! Sympa! Sympa les habitants! C'était quoi ce délire? Bon, il faut que je retrouve Laura. Comment je fais? J'ai triché, bon. Aveugle. Pour vous aider à vous repérer, vous pouvez utiliser l'écholocation. Appuyez sur espace pour lancer un écho. Tournez-vous à présent vers la personne qui jongle avec un ballon. Il est par là, non? Lancez à nouveau un écho. Le délai entre l'envoi et l'impact est important. L'obstacle est donc loin. Vous pouvez désormais utiliser l'écho. Il est à côté, là. Venia aquí, comemos.